Mais c'est pas crédible. C'est pas crédible. On est en avril, bientôt 2014. Et tu veux que je fasse un best-of de mes liquides préférés 2013? Ça va pas, c'est pas crédible. Puis un best-of. Tu m'as pris pour Arthur, tu veux que je présente les enfants de la télé, ton petit? Coucou les camarades, et ben oui, on va pas déloger à la règle. Déjà d'une. Bon. Je refais des vidéos, je suis content de vous retrouver, tout ça. Je vous ai même pas souhaité une joyeuse année. Bon, il y a un petit peu 4 mois de retard, mais. Bonne année, hein. Bonne santé. Puis bonne vape aussi. Hein. Surtout, essayez de rester loin de la cigarette. Et puis voilà. Bon. De quoi que je vais vous parler aujourd'hui. Ben oui, j'ai vu que plusieurs confrères et camarades youtubeurs francophones ou anglophones ou même germanophones faisaient des rubriques mon liquide, mais mon top 5 des liquides de l'année 2013. Moi j'ai commencé à vapoter en juillet ou en août 2013. J'ai goûté plein de liquides. J'ai quand même fait une petite sélection de 5, de 6 liquides, il y en a un bonus, de 6 liquides qui m'ont vraiment, vraiment plu pendant cette année 2013, enfin de août à décembre du moins. Là, on est bientôt en avril, j'en ai redécouvert une chier, comme on dit. Quoi qu'il en soit, je vais vous faire mon petit top 5. De mes liquides préférés de l'année 2013. Alors, il y a des liquides très connus, au moins un très connu, et puis d'autres un peu moins connus, d'autres qui sont plus ou moins. Ils sont quasiment tous, je les ai quasiment tous faits en revue. Non, pas tous. J'en ai bien fait deux ou trois en revue. Enfin bref, si trois sur. Ne faisant pas durer le suspense plus longtemps, je vois que derrière votre écran, vous trépignez d'impatience. Mais oui, Camille, fais-nous rêver. Donne-nous du ton top 5. Non, ne vous fait peut-être pas rêver. Quoi qu'il en soit, cinquième position. C'était ma découverte avec les liquides américains. Je me suis dit qu'il y avait un cap entre. Bon, je vais pas me faire des amis. Un cap entre le liquide français et le liquide américain, mais c'est pas vrai parce qu'il y a de très bons liquides français maintenant. Mais c'était la première fois que je vapais un liquide américain. Celui-ci me plaît. D'ailleurs, j'en achète toujours. De chez Allo. Le Tiki Juice. Liquide. Je l'avais pas. Chronique. J'avais pas fait de vidéo sur celui-ci, je pense. J'en ferai peut-être. C'était les premières vidéos que j'avais faites. C'était sur des liquides Allo. Bref, je vais en refaire. Parce que j'en ai encore plein. J'ai toute la gamme de chez Allo. D'ailleurs, Allo m'a envoyé quasiment toute la gamme des liquides de leur marque pour en faire une revue. Et j'ai pas eu le temps de tout faire. Ils m'ont même envoyé un pack de cigarettes électroniques. Je vous en parlerai plus prochainement. Allo. Tiki Juice, tabac. Basse tabac. Mentholé avec quelques épices. Je ne vais pas faire de revue, là je vous dis juste en vitesse mes 5 liquides préférés. Celui-ci j'ai adoré, je lui donne donc la cinquième position. En quatrième position, j'avais adoré à l'époque, j'en ai acheté depuis, ça a changé, je trouve, le Grumpy Hooch de chez. Hop, je ne sais pas si c'est flou. Voilà, le Grumpy Hooch de chez Sans Mode. Pareil, tabac liquide culte dans la communauté des vapoteurs. J'avais trouvé ça totalement original. Un petit goût surprenant, plein de notes, d'épices. Bref, je ferai aussi quand même une petite revue sur du Sans Mode, parce que je les ai tous. Je les ai tous. J'ai le
Le Ouch Gonna Banana, le Grumpy Cookie, le Red Devil, le... Je le mets à la quatrième position. Et alors je sais pas si les papilles gustatives ont changé entre-temps, je pense pas. Mais j'en ai recommandé en février, je crois. Et je me suis dit, mais merde, qu'est-ce que c'est? C'est plus le même liquide, on se moque de nous, c'est quoi? Et je pensais être le seul. Et je suis allé voir sur le grand forum. Et non, je ne suis pas le seul à avoir trouvé que le Grumpy avait changé. Enfin bref. Troisième position. Il n'y en a plus beaucoup, mais j'en ai encore à côté. La couleur, vous reconnaîtrez, je pense, le Blue Vaudou de chez Mystery Liquide. Ça, c'est peut-être ma marque américaine préférée, Mystery Liquide, déjà parce que je suis en bon contact avec eux. Ils me font des cadeaux, je leur rends bien, je suis bon client aussi chez eux. Blue Vaudou, tabac, non, c'est pas un tabac, c'est plutôt une saveur fruitée gourmande, fruits exotiques, framboises, un peu schtroumpf. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille ma. Enfin, je vous conseille. Non, je vous la conseille pas, parce que si vous voulez en savoir un peu plus, c'est pas une référence, mais j'avais fait une, deux vidéos sur les liquides, Mystery Liquide. Et c'est des bons petits gars chez Mystery Liquide, ils font des bons produits. Donc troisième position, Blue Vaudou de chez Mystery Liquide. Deuxième position de mes liquides préférés de l'année 2013. Encore du Mystery Liquide. Touc. Le banana. Voilà, le banana nut bread. Que dire de ce liquide? Pareil, j'ai donné mon avis dessus. C'est juste un des liquides gourmands les meilleurs qui existent pour moi. Un cake aux amandes, ouais, cake aux amandes et à la banane. Banane mûre et sucrée à point. C'était juste parfait. Je dois le sentir, ça me donne envie de. Je vais me refaire un petit tank après, je pense. Et enfin, un roulement de tambour. Roulement de tambour. Première position. Peut-être que vous en êtes douté, parce que je suis pas le seul à le mettre à la première position. Peut-être qu'il sera détrôné en 2014. Pour l'instant, je pense que oui, parce que j'ai découvert en février un liquide que j'aime autant que celui-ci de chez Alien Vision, le non moins célèbre Boba Bounty. Tabac juste épique, un liquide légendaire. Je vais pas vous en parler, vous le connaissez tous. Et puis un petit bonus que j'ai eu la chance de recevoir. Ça le fait pas, j'ai oublié qu'il m'avait envoyé ça. Je sais plus. Je chercherai, je le rajouterai dans les commentaires. La marque Jameson, c'est une marque anglaise. Je vous ferai la revue prochainement. C'est The Forbidden Fruit. Tac. C'est un liquide. Je vais pas trop vous en dire pour l'instant dessus parce que je vais faire une revue. C'est juste un mélange de fruits frais. Mais je n'ai jamais vapé de liquide où le ressenti goût-fruit était aussi réel, quoi. Vous avez l'impression d'avoir mangé une salade de fruits juste avant. Je vous fais plein de bisous, les camarades. La petite taf de bonne année. Vapotez bien et à bientôt.